Salut les U12, bienvenue pour cette séance samedi matin. Je vois que vous êtes prêts, vous avez déjà les crosses pour certains. Tous les autres là, il y en a beaucoup, il faut allumer les caméras parce que j'ai très très peu de retours. Ouais, Jules, Elliot, Noah, Kaylis, Quentin, Nilan, s'il te plaît, aussi. Ok, super. Ok, on va démarrer la séance aujourd'hui. C'est principalement, on va aller faire du maniement sur les. On va se concentrer en tout cas sur le côté revers. D'accord? J'ai fait une partie, enfin, j'ai tracé, je vais vous expliquer. C'est pour vous donner des repères. Ça va être en statique sans la slide et on terminera sur un exercice sur la slide. Ok? Vous rappelez, sur les plans revers, on a vu ces derniers temps qu'on a du mal. On a du mal à avoir les pieds qui restent toujours dans la même direction et ils ont tendance à aller à s'ouvrir du côté du maniement, du côté de la balle ou du palet. Ok? Donc le premier exercice, on va aller sur le plan avant-revers, tout simple, qu'on a déjà fait, enfin tout simple, en tout cas qu'on a déjà fait, que vous connaissez. Donc pour les gauchers comme moi, ça veut dire que vous allez travailler du côté de votre jambe droite, ok? Dans le plan avant-revers, ça marche. Et pour les droitiers, vous allez travailler du côté de votre jambe gauche. Ça marche. Donc les repères que j'ai faits, donc l'alignement là des pointes de pied vers l'avant, d'accord. Écartement largeur d'épaule pour la position de base. Et puis j'ai fait ce repère sur le côté du pied, ok, pour vous montrer que le pied ne doit pas s'ouvrir, d'accord, dans la direction où on travaille. Ça marche pour tout le monde. Donc, tout simple, hein, moi j'ai mis un bout de tape. À la maison, vous pouvez vous servir du carrelage si c'est à l'intérieur. Vous pouvez mettre un bout de scotch, un bout de tape. Ça va très vite à faire. Ok. Le premier, donc plan avant, plan revers. Donc, ok. Je rappelle que sur ce dribble là, ce qui est important, c'est la rotation du buste, donc bassin, les épaules qui tournent, ok, les bras qui sont dégagés du corps, et le dribble qui s'effectue de avant-arrière, et pas en diagonale. En diagonale, c'est très facile, le dribble, il est avant-arrière, ok. Là, sur le plan avant-revers, le palet ne passe pas derrière le pied, d'accord? Il reste en avant du pied. Ça marche? C'est bon pour tout le monde. Donc on va se mettre en position. On va travailler en 40 secondes de travail pour 20 secondes de récup. Et on va le faire 6 fois. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde en place, position de base. On est prêt. On va chercher le plat avant-revers. Je veux une vraie, vraie position de base très bas. D'accord? Bien fléchi. On pivote le bassin, les épaules. On sort les bras et on fait un dribble avant-arrière. Ok? Attention. Top, c'est parti. Donc là, un dribble très court. Allez, encore 5 secondes. Ok, repos. Les flexions, c'est pas assez important. On a dit sur la position de base, on va avoir vraiment, vraiment des bonnes flexions, cheville, genou, d'accord? Le dos est légèrement, le buste est légèrement incliné vers l'avant, mais le dos est droit, d'accord? Mais en tout cas, les flexions doivent être beaucoup plus importantes et on les maintient pendant les 40 secondes. Ok? Attention, deuxième passage, on est en place. Top, c'est parti. Allez, un dribble très court, avant-arrière, on dribble pas en diagonale.
Alors, Pauline, attention, tu mets ton poids sur la jambe opposée. Mets le même poids sur les deux jambes. Sur celui-ci, on peut vraiment avoir le poids sur les deux jambes. D'accord? Ok, on est en pause. Donc là, la petite erreur que vous faites, c'est mettre le poids sur la jambe extérieure pour vous donner de l'espace. Ok? C'est pas ça que je demande. Là, je veux qu'on ait le poids vraiment sur les deux jambes. Position de base, d'accord, et la rotation du bassin. On n'envoie pas le poids à l'extérieur. Ça marche? Attention, troisième répétition. Top, c'est parti. Et de temps en temps, vous jetez un petit coup d'œil à votre pied. Est-ce qu'il part dans la direction de la balle ou du palet? Ok. Je rappelle que le dribble est avant-arrière et qu'on ne dépasse pas la pointe de notre pied, on reste en avant. Dribble très court, Timéo, attention, tu vas un petit peu trop derrière. Ok, on est en pause, on l'a fait trois fois. Donc je remonte, on est sur un dribble très court et je ne dépasse pas la pointe du pied. Je ne viens pas chercher l'arrière là, d'accord? Je suis sur l'avant, ok. Un dribble très très court, hein. Vous avez vu mon palet là, il se déplace sur 10 cm à peine. Attention, top, c'est reparti. Quatrième passage. Allez, on tient les flexions, là ça se redresse. Ok, alors beaucoup de corrections encore, hein. C'est pour ça que j'ai voulu revenir sur celui-ci, sur ces éducatifs. Alors la rotation du bassin, je prends ma position de base, là, comme si j'étais face. Ok, tout le monde, on se met en position de cette manière. Ok. Ensuite, mes jambes ne bougent plus, c'est que le haut du corps à partir du bassin qui va tourner. Ok, il faut vraiment travailler cette flexion des hanches et du bassin. Ok, parce que là, vous, dès que le haut du corps tourne, vous avez les jambes qui tournent. Vous êtes beaucoup à avoir, regardez mon genou opposé là, du côté où je vais là, opposé, il tourne. Pour beaucoup, c'est ça qui se passe. Ok. Là, je veux vraiment que on fixe les jambes, elles ne bougent plus. Et c'est le haut du corps qui tourne, d'accord? Et on va dribbler dans la zone, ok? Dans le plan avant-revers. Ça marche? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Plus de flexion sur ta jambe droite, Esteban. Ton pied il tourne légèrement du côté de la balle. Remets tes pieds dans l'axe. Alors Thomas, tu es gaucher comme moi. On a dit tu dois travailler du côté de ta jambe droite, sur le revers. Tes pieds sont pas positionnés là. Mets tes pieds face à moi. Ok, on est en pause. Thomas, Nice, mets tes pieds face à moi. Face à moi. La pointe de pied face à moi, s'il te plaît. Thomas, tu m'entends? Fais-moi un signe si tu m'entends. Ok. Donc, la pointe de pied face à la caméra, c'est que le haut du corps qui tourne. Attention, il va nous rester un passage sur celui-là. On est prêt.
Donc, pointe de pied, regardez, elle reste face à la caméra. C'est que le haut du corps qui tourne. Bassin, le buste, les épaules. Ok, attention. Top, c'est parti. Timéo, Mojev, tes jambes tournent là. Kailis, attention, tu vas de temps en temps sur un dribble en diagonale. Plus de flexion encore. Plus de flexion, tu vas sortir les bras. Et tu vas être plus à l'aise pour dribbler. Jordan, attention, tu mets un peu trop de poids sur la jambe extérieure. Ok, on est en pause, on a fini pour le premier éducatif. On va passer au deuxième. Donc toujours sur le même principe, sauf que cette fois, on va aller chercher, ça va être encore plus dur, le latéral coup droit. Le latéral coup droit, le plan latéral coup droit. Donc on a nos pieds toujours dans la même direction. Le latéral coup droit, c'est à l'arrière des talons, d'accord ? C'est vraiment derrière nous, ok ? Alors là, j'ai mis à la pointe. Il faut aller chercher derrière cette zone, ok ? Je pourrais le mettre jusqu'ici, ok ? Donc là, si vous n'êtes pas souple, si vous ne travaillez pas votre souplesse du haut du corps, là, bassin, buste, les hanches, okay, ben vous n'arrivez pas à aller chercher cette zone ici. Okay, donc là, il faut vraiment, vraiment pivoter le haut du corps. Okay, ça marche. On essaye au maximum d'avoir le même poids sur les deux jambes. À nouveau, je ne veux pas qu'on parte sur la jambe extérieure pour aller chercher cette zone. D'accord ? Je veux vraiment qu'on ait une bonne position de base. On équilibre le poids sur les deux jambes. Et c'est le haut du corps qui tourne. Ça marche ? On se met en position. Bonne position. Attention. Top, c'est parti. Et toujours sur un dribble avant-arrière. Avant-arrière. Ok ? Ok, Kailis, c'est bien. Alors, Quentin, on reste que dans le plan latéral coup droit. Donc, on ne revient pas devant le pied. On reste que sur l'arrière, derrière les talons. Dribble court derrière les talons. Voilà, c'est mieux. Thomas, même chose. On reste que à l'arrière des talons. Ok, on est en pause. Donc là, je me positionne de profil. Regardez. Donc là, il y a toujours le même angle. Mes pieds restent toujours dans la même direction. Ils ne vont pas aller du côté du palais. Ok, je suis en position. Et là, je veux qu'on aille chercher juste avec le haut du corps. On voit pas bien. Pardon. Alors, je me décale un petit peu. Sinon, on voit pas bien. On va chercher l'arrière du pied, l'arrière des patins avec le haut du corps. Et on reste à dribbler dans cette zone-là. Ok ? Je ne veux pas qu'on revienne vers l'avant des pieds. On reste que dans la zone à l'arrière du patin, côté revers. Donc, c'est le plan latéral revers. Ça marche pour tout le monde ? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Alors Thomas, prends une bonne position de base. Largeur d'épaule, les pieds. Largeur d'épaule, Thomas. Thomas, Gabizon, tu m'entends? Ok. Mets-toi face à moi. Largeur d'épaule, les pieds. Ok. Les pointes de pied vraiment face à la caméra. Ok. Amène ton palais derrière les talons. Voilà. Et tu dribbles que dans cette zone. Non. Petit dribble dans cette zone. Voilà, c'est ça. Ok, on est en pause, on l'a fait deux fois. Alors, ce n'est pas une position qui est naturelle, mais il faut arriver à la travailler, d'accord ? Il faut arriver à contrôler notre balle ou notre palais dans cette zone. Donc, travaillez votre souplesse là du haut du corps. Et vous allez voir que... Alors, les flexions ont beaucoup d'importance aussi. Hein. Si je suis droit,
C'est compliqué pour aller chercher des zones très loin et de contrôler mon palais. Par contre, si je suis bien fléchi, je vais pouvoir sortir bien correctement les bras. Je me décale pour que vous voyez. Et là, je vais être dans une position où c'est que je me retrouve à l'aise pour dribbler derrière les talons. Ok? Vous avez vu mon haut du corps qui est vers vous et mes jambes dans cette direction. Ok? On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Sortez bien les bras du corps. Timéo, attention, tes jambes tournent. Tes pieds sont fixés, mais par contre, tes jambes tournent. Tes genoux partent du côté de la balle. Ok, on est en pause. On l'a fait 3 fois. Oui, il y en a encore où c'est que les jambes tournent. En fait, il n'y a pas que le haut du corps. Vous tournez le haut du corps et les jambes suivent et se retrouvent à tourner de cette manière. D'accord? Essayez de garder le bas du corps fixé et que le haut du corps, que le haut du corps qui tourne. Ok? On se remet en place. Attention. Et top, c'est parti. Alessandro, bonne position de base. Reprends la position de base. On garde les flexions. Esteban, attention, tes pieds qui tournent un petit peu du côté de la balle. Voilà. Darcy, tu peux sortir un petit peu plus les bras. Ouais, dégage bien les bras du corps. Ok, on est en pause. Alors, vous avez vu le petit repère que j'ai tracé, hein? C'est assez simple et c'est facile de visualiser quand vous êtes tout seul à la maison, là, si vous faites ce travail-là, tout seul. Bon, ben, c'est facile. Je dribble plan latéral coup droit, je travaille ça. Ok. De temps en temps, je jette un petit coup d'œil. Ok, ben je vois là mon pied il est bien positionné. Ok, là mon pied il a tourné, je suis plus dans le repère. Ok, donc vous pouvez tracer ces repères facilement. Ok, on se remet en position. Attention, top, c'est parti. Pour ceux qui s'en sortent plutôt bien. On commence à lever la tête, d'accord? Il n'y a pas besoin de. On peut prendre un contact visuel un peu partout là. On imagine qu'on est sur la glace. Thomas, tes pieds, ils sont partis du côté de la balle, ouais. Esteban, tes pieds aussi, ils ont tourné. Timéo, toujours tes jambes qui tournent avec ton haut du corps. Thomas aussi. Ta jambe droite est complètement droite, complètement. T'as perdu la flexion sur ta jambe droite. Ok, on est en pause. On va le faire encore une fois. Attention de ne pas vous redresser hein, du côté où vous travaillez. Vous avez tendance à vous redresser. Attention, top, c'est reparti. Timéo, force-toi à avoir tes jambes vers l'avant. Timéo, Grenoble, maintenant, ah ouais, c'est bien, tu t'es repositionné. C'est bien, tu as les repères, donc tu peux regarder de temps en temps ton pied, voir s'il est en bonne position.
Ok, on est en pause. On a fini pour celui-là. On va passer à la suite, toujours sur la même thématique. Difficile, facile. Moi j'ai une réponse, hein, mais difficile. Vous faites un pouce. Un pouce vers le haut. Ok, donc plutôt difficile. Vous êtes U12, c'est quelque chose là qu'il va falloir rapidement corriger et maîtriser. D'accord? C'est très très important. Ok? Facile à faire. Tracer ça. Vous pouvez tracer le H que vous connaissez aussi. Le H complètement vous donne les repères. Moi, je vous ai juste donné ce repère là pour voir si les pieds bougeaient d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, vous pouvez le travailler et le retravailler, notamment en allant re-regarder les vidéos des séances sur la chaîne des Radeliers. Ça marche? Ok, suivant. Donc là, on a fait dribble court, plan avant revers. Maintenant, on a fait dribble court, plan latéral revers. Et maintenant, on va faire du dribble long en passant entre les deux plans. D'accord? Donc toujours sur le plan latéral revers, plan avant revers. Ok? Ça marche? Et toujours avec le même objectif d'avoir les pieds qui le bas du corps qui est fixé vers l'avant et le haut du corps qui tourne du côté du revers. Ça marche? Donc dribble long, on n'est pas sur du dribble en diagonale, on est sur du dribble avant-arrière. Ok. Attention, on se met en place. On est prêt. Et top, c'est parti. Et on se concentre sur Alessandro, bonne position de base, s'il te plaît. Alors, on va chercher bien loin derrière les talons. Timéo, des BDL, c'est bien. Voilà, juste reprends ta position de base à chaque fois. Amplifie encore les flexions. Force-toi à amplifier encore plus les flexions cheville-genou. Voilà. Ok, on est en pause. On a tendance, hein, au départ, on est en bonne position de base et puis l'exercice avance et petit à petit, on se redresse et là, on ne fait pas un travail qui est très efficace. Ok? Position, attention. Top, c'est parti. Alessandro, tes pieds ont tourné côté revers. Y en a beaucoup encore que les caméras sont pas allumées. Lou, Elliot, Nilan, Clément, Vadim, Gabin, Jules, Joshua. Ok, on est en pause. Tous les enfants que j'ai cités, essayez d'allumer vos caméras. Ça me permet de voir où c'est que vous en êtes. Ok? Merci. Ok, on va continuer. Donc, je disais, c'est vraiment un dribble long, hein. Donc là, je me mets de profil, comme ça, vous voyez. Donc, position, j'ai que le haut du corps qui tourne. Et là, c'est dribble long. C'est que le haut du corps qui travaille. Ok? On se remet en position. Troisième passage. Et top, c'est parti. Lou, attention à ton dos. Attention à ta jambe droite là qui s'est redressée. Alors, Nilan, j'arrive pas à voir tes jambes. Par contre, tu régleras après. Vas-y, continue, continue. Ok, on est en pause.
Alors ouais, Nilan, si tu arrives à régler pour que je puisse voir le bas de ton corps, ouais, super. Elliot, même chose. On va se remettre en place. Attention, top, c'est parti. Ok, Nilan, c'est bien. Attention à ton pied droit qui tourne petit à petit. Regarde ton pied droit. Ok. Et mets un petit peu plus de flexion sur cette jambe. Côté revers. Jambe droite. Ouais, super. Va chercher loin devant, loin derrière. Écarte un peu les bras du corps. Voilà. Et de temps en temps, regarde ton pied. Regarde ton pied droit. Qu'est-ce qu'il fait? Tourne du côté de la balle. Ok, on est en pause. On l'a fait trois fois. On va le refaire encore trois fois. On a perdu un peu de temps. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'exercice sur la slide, mais c'est pas grave. C'est important de maîtriser ces éléments-là. Donc, il vaut mieux dans un premier temps les travailler en statique. Allez, on se remet en position. On est bien fléchi. On tourne bien le haut du corps. Et top, c'est parti. Lou, attention à ta jambe droite qui se redresse. Voilà. Milan, tes pieds ont tourné. Alors, Jules, on est sur le côté revers. Tu dois être à l'opposé. Tu dois travailler du côté de ta jambe droite, côté revers. Et ta jambe gauche et le bas de ton corps a tourné. Ok, on est en pause. Jules, regarde, ton bas du corps a tourné. T'as pas de flexion. Tu étais dans ce. Jules, tu étais dans cette position en fait. Tu étais comme ça. Ok? Donc, tu étais jambe droite tendue, jambe gauche fléchie qui tourne du côté du palais. Moi, je veux que tu sois fléchie sur les deux jambes. Ok? C'est ton haut du corps qui va chercher les zones de maniement. Ok? Attention, on va repartir. Position. Et top, c'est parti! Plus de flexion sur la jambe droite, Nilan. Luan, t'as les pieds contournés. Esteban aussi. Ok, on est en pause. On va le refaire une dernière fois. On se remet en position, attention. Bien bas, bien fléchi. Et top, c'est parti. Timéo, tes jambes tournent. Alessandro, tes jambes elles tournent encore. Thomas aussi. Regardez vos jambes quand je vous le dis. Milan, c'est mieux. Il faut juste écarter les bras un peu plus du corps. Ok, on a fini. Donc, bon, je m'en doutais un petit peu, on n'est pas allé sur la slide, c'est pas grave. Donc, cet éducatif, enfin, ces éducatifs sur le côté revers, vous avez vu, vous pouvez les travailler encore et encore.
Il y a pas mal de travail. Hein. Ok? Les U12, moi je ne vous revois plus, donc je vous souhaite un bon week-end. Les U13 qui sont en train d'arriver, on se retrouve tout à l'heure pour la séance de maniement. Là maintenant, c'est mobilité avec Vincent. Ok?